Bonjour, on va chercher la primitive de la fonction 1 sur cosinus x moins sinus x sans utiliser la méthode de changement de variable ni intégration par partie. On a cosinus x moins sinus x est égal à racine de 2. Facteur de racine de 2 sur 2, cosinus x moins racine de 2 sur 2, sinus x, qui est égal. Bon, on a fait racine de 2 multiplié par racine de 2, c'est 2, racine de 2 au carré, c'est 2 sur 2, est égal à 1, donc est égal à cosinus x, et c'est moins racine de 2 sur 2, racine de 2 multiplié par racine de 2 sur 2, c'est 2 sur 2, c'est 1 moins sinus x. Donc, est égal à cos x moins sinus x. Donc, est égal à racine de 2, facteur racine de 2 sur 2, c'est cosinus pi sur 4. Cosinus x moins racine de 2 sur 2, c'est aussi sinus de pi sur 4. Est égal à racine de 2. Nous avons ici cosinus A, cos B moins sin A sin B, donc c'est cosinus, c'est cosinus de pi sur 4 plus x. Et qui est égal à racine de 2, cosinus de 2, pi sur 8 plus x sur 2. Qui est égal à racine de 2, cosinus pi sur 8, 2 cosinus pi sur 8, si pi sur 8, plus x sur 2, plus pi sur 8, pi sur 8, plus x sur 2. Sur 8 plus x sur 2. C'est cosinus de cette sorte. Donc il est égal à racine de 2, c'est racine de 2 cosinus pi sur 8 plus x sur 2 multiplié par cosinus pi sur 8 plus x sur 2 moins sinus pi sur 8 plus x sur 2 multiplié par sinus, multiplié par sinus de pi sur 8 plus x sur 2. Racine de 2. Donc il est égal à racine de 2 cosinus pi sur 8 plus x sur 2 au carré moins sinus pi sur 8 plus x sur 2 au carré. Et comme cosinus carré pi sur 8 plus x sur 2 plus sinus carré pi sur 8 plus x sur 2 est égal à 1, c'est-à-dire sinus carré sur 8 plus x sur 2 est égal à moins cosinus carré pi sur 8 plus x sur 2. Alors, cosinus x moins sinus x
Litigan alasın güldü. Faktör. Faktör. Dokosinüs o kare pi sur 8. X sur 2. Moins. 1 moins cosinus, pardon. Nous n'avons pas d'espace ici pour écrire. Donc, il est égal. Racine de 2, facteur de cosinus carré, pi sur 8 plus x sur 2, moins 1 moins cosinus carré, pi sur 8, pardon, plus x sur 2. Voilà ici, ce que nous avons ici, on l'avait remplacé par 1 moins cos carré, pi sur 8 plus x sur 2. Donc, il est égal à racine de 2, cosinus carré, pi sur 8, plus x sur 2, moins 1, plus cosinus carré, pi sur 8, plus x sur 2, qui est égal à racine de 2, 2 cosinus carré, pi sur 8, plus x sur 2, moins 1. Et ainsi que 1 sur cosinus carré, pi sur 8, plus x sur 2, il est égal à 1 sinus carré pi sur 8 plus cosinus pi carré sur 8. Donc cosinus carré pi sur 8 plus x sur 2 plus sinus au carré pi sur 8 plus x sur 2. Le tout sur cosinus carré pi sur 8 plus x sur 2. Qui est égal à cosinus carré pi sur 8 plus x sur 2 sur cosinus carré pi sur 8 plus x sur 2 plus sinus carré pi sur 8 plus x sur 2 sur cosinus carré pi sur 8 plus x sur 2 qui est égal à 1 plus sinus pi sur 8 plus x sur 2 le tout sur cosinus pi sur 8 plus x sur 2 au carré. Sinus pi sur 8 plus sinus de pi sur 8 plus x sur 2 sur cosinus de pi sur 8 plus x sur 2 si tangente. C'est tangente pi sur 8 plus x sur 2 au carré. Donc, on va remplacer le cosinus au carré. Donc, on a l'inverse de cosinus au carré de pi sur 8 plus x sur 2 est égal à 1 plus tangente carré de x sur 2. Donc, cosinus carré de pi sur 8 plus x sur 2 est égal à 1 sur 1 plus tangente carré pi sur 8 plus x sur 2. Donc on va remplacer donc cosinus x moins sinus x est égal à racine de 2 facteur de cosinus x carré plus sur 8 plus x sur 2, donc c'est 2 sur
1 plus 30 carré plus 8 plus 6 sur 2 moins 1 qui est égal à la racine de 2. Et si on va réduire au milieu du dénominateur, donc on aura 2 moins 1 plus tangente carré pi sur 8, pardon, pi sur 8 plus 6 sur 2, du tout sur 1 plus tangente pi sur 8 plus 6 sur 2, tangente carré, pardon. Qui est égal à racine carrée de 2. 2 moins 1, c'est 1. Moins tangente carrée, pi sur 8, plus 6 sur 2. Le plus sûr, 1 plus tangente carrée, pi sur 8, plus 6 sur 2. On va remplacer le cosinus x, sinus x, moins sinus x par racine de 2. Donc, l'intégrale de 1 sur cosinus x moins sinus x du x est égal à l'intégrale de 1 sur racine de 2 facteur de 1 moins tangente carré, pardon, pi sur 8 tangente carré pi sur 8 plus 6 sur 2 sur 1 plus tangente carré pi sur 8 plus 6 sur 2 du x qui est égal à l'intégrale de 1 plus tangente carré pi sur 8 plus 6 sur 2 sur racine de facteur de 1 moins tangente carré pi sur 2 plus 6 sur 2 du x. Que l'on peut écrire sous la forme de moins 1 sur racine de 2 intégrale de 1 plus tangente carré pi sur 8 plus 6 sur 2 sur tangente carré pi sur 8 plus 6 sur 2 moins 1 du x. Le moins que nous avons ici, on a permis ici 1 moins tangente carré pi sur 8 plus 6 sur 2, donc on a permuté les critères de cette différence. Donc, il est égal à moins racine de 2 sur 2 intégrale 1 plus tangente carré pi sur 8 plus 6 sur 2 multiplié par donc tangente pi sur 8 plus 6 sur 2 plus 1 moins tangente pi sur 8 plus 6 sur 2 plus 1, pardon, nous avons pris de l'espace. Il est
est égal à moins racine de 2 sur 2, intégrale de 1 plus tangente carré pi sur 8, plus x sur 2, sur, ici, le dénominateur est de la forme a au carré, moins plus au carré, 1 au carré c'est 1. Donc c'est tangente, c'est a moins b, facteur de a plus b. Et c'est du x. Qu'on peut écrire 1 plus tangente carré pi sur 8 plus x sur 2 facteur alors 1 plus tangente carré pi sur 8 pi sur 8 plus x sur 2 facteur Ici nous avons moins 1, moins tangente pi sur 2, tangente pi sur 8 plus x sur 2, moins tangente pi sur 8 plus x sur 2, c'est 0, 1, moins moins 1, c'est 2, donc on va diviser par 2, donc on aura ici 4. Donc il est égal moins racine de 2 sur 4 intégrale de 1 plus tangente carré pi sur 8 plus x sur 2 facteur de tangente pi sur 8 plus x sur 2 plus 1 sur tangente pi sur 8 plus x sur 2 plus 1 facteur plus
pardon. Moins 30 plus sur 8 plus 6 sur 2 moins 1 sur tangente plus sur 8 plus 6 sur 2 moins 1 et c'est plus 1 pardon facteur de tangente de pi sur 8 plus 6 sur 2 plus 1 le double de x. Et si on, il y a une simplification, on va simplifier par ce terme, par ce, pardon, ce facteur, et si on va simplifier par celui-là, donc on y aura d'accord. On aurait égal à moins racine de 2 sur 4, intégrale de 1 plus tangente carré puis sur 8 plus 6 sur 2 sur tangente puis sur 8 plus 6 sur 2 moins 1 moins 1 plus tangente carré puis sur 8 plus 6 sur 2 sur tangente de pi sur 8 plus 6 sur 2 plus 1 le tout du x. Donc il est égal, pardon, à moins racine de 2 sur 4 intégrale. Voilà dérivé de tangente x, de tangente pi sur 8 plus x sur 2 prime. On a tangente de pi sur 8 plus x sur 2 moins 1 tout prime est égal à la tangente prime de pi sur 8 pardon, plus x sur 2 le tout prime plus 1. Prime c'est 0, donc c'est dérivé égal à tangente prime de pi sur 8 plus 6 sur 2 multiplié par la dérivée de pi sur 8 plus 6 sur 2, la dérivée de la fonction pi sur 8 plus x sur 2 qui est égal à 1 plus tangente carré, pi sur 8 plus pi sur 2, multiplié par la dérivée de pi sur 8 plus x sur 2, c'est la dérivée de x sur 2, c'est 1 demi, multiplié par 1 demi. Donc, on va multiplier ici par 2, on aura un demi-facteur de tangente, pardon, de tangente carré, pi sur 8 plus 6 sur 2, plus 1 pardon, donc c'est dérivée égale à 1 plus tangente carré pi sur 8 plus 6 sur 2 multiplié par 1 demi. Donc, sur tangente de pi sur 8 plus 6 sur 2 moins 1 moins 1 demi tangente carré pi sur 8 plus 6 sur 2 plus 1 le plus sur tangente pi sur 8 plus 6 sur 2 plus 1 le tout
du x. Donc il est égal, on va remplacer le numérateur. Donc il est égal, bon, moins 2 racine de 2 sur 2, on va simplifier par 2, donc il nous reste moins racine de 2 sur 2, intégrale, 1 demi tangente carré de pi sur 2 plus x sur 2, de pi sur 8 plus x sur 2 plus 1, c'est la dérivée, 2 tangente pi sur 8 plus x sur 2 moins 1, le tout prime, sur tangente pi sur 8 plus x sur 2 moins 1 moins la même chose, 1 demi tangente carré pi sur 2 plus x sur 2 plus 1, c'est la dérivée. Donc si la dérivée de tangente de pi sur 8 plus x sur 2 plus 1, le tout prime sur tangente de pi sur 8 plus x sur 2 plus 1, le tout du x qui est égal. Et si nous avons l'expression de la forme u prime sur u, donc c'est l'n de valeur absolue, l'n de valeur absolue du u prime. Donc il est égal, pardon, à moins racine de 2 sur 2 intégrale de l'n de tangente de pi sur 8 plus x sur 2 moins 1 valeur absolue du tout prime moins l'n de tangente de pi sur 8 plus x sur 2 plus 1 le tout prime du x. Donc nous avons l'intérieur de l'intégrale, il est de la forme u prime plus v prime, donc c'est la dérivée de la somme. Donc c'est l'n de valeur absolue de tangente pi sur 8 plus x sur 2 plus 1 moins l'n de tangente de pi sur 8 plus x sur 2 moins, pardon, ici moins 1 ici plus 1 c'est moins, pardon, l'n cette quantité du prime du x qui est égal à moins racine de 2 sur 2 intégrale l'n de a, pardon, l'n de a moins l'n de b, c'est l'n de a sur b, donc c'est l'n de valeur absolue de tangente de pi sur 8 plus x sur 2 plus moins 1 pardon moins 1 sur tangente, pardon, de pi sur 8 plus x sur 2 plus 1, l'un de cette quantité du dx, le tout prime. L'un prime. Donc, ici nous avons l'intégrale de f' du x, si f plus est constant. Donc est égal à la racine de 2 sur 2, ln, bon, valeur absolue de u sur valeur absolue de v, c'est valeur absolue de u sur v, ln, de tangente, pi sur 8 plus x sur 2, moins 1 sur tangente pi sur 8 plus x sur 2 plus 1 plus c
aussi est une constante réelle. Voilà notre intégrale et le beau intégrale, pardon, de 1 sur cosinus x moins sinus x est égal à moins racine de 2 sur 2 ligne de tangente de pi sur 2 plus x sur 2 moins 1 sur tangente de pi sur 2 x plus x sur 2 plus 1. Voilà, merci pour votre attention. À la prochaine.